Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Bien, salut à tous et à toutes, c'est Tino CDF de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 15 de notre Let's Play sur Far Cry 4. J'espère que vous allez tous très bien, les gens. On se retrouve donc sur PS4 en compagnie de Dembo. Comment tu vas, mon ami? Oh, merde, j'avais pas vu. Oh, il a dû se faire mal à la tête, le pauvre. J'avais pas vu l'arbre. On va aller faire la mission de Sentier d'Or, les gens, pour cette énième épisode de Far Cry 4. Avant ça, ouais, salut l'ami. Mais non, viens ici, connard. Eh, bolos. Eh bien. Alors, on va aller acheter. Bon, les munitions sont max. C'est tout. Ouais, franchement, c'est tout. Alors, mes armes ont un peu changé. Il y a... Parce que j'ai joué, forcément, je joue. T'en meurs toi, votre arme, les fous. Ah bon, éléphant ça. Alors, franchement, ce fusil, je le kiffe. J'ai changé d'arme d'une mitrailleuse pour ce joli. On dirait plus une. Comment elle s'appelle? Merde, je sais même plus comment elle s'appelait sur BO1. Elle y avait exactement la même arme. Mais. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à BO1 que j'en souviens plus, oui. La commando. Voilà. Et puis le snipe à verrou, super. Bah, qui one shot en fait. J'ai juste rajouté un silencieux au bout. Parce que. Effectivement, quand je tirais une balle, les mecs ils me repéraient à coup sûr. Oh bah t'as quoi dégager hein. Bon, on va éviter. On va descendre de l'éléphant. Ah, regardez. Ah oui, j'ai acheté ça aussi sur Uplay. Il y a eu la gueule de l'éléphant qui est colorée maintenant. Pour 30 points Uplay, je crois que j'avais ça. Donc bah non, c'est 30 ou 10 points, je sais plus. Je crois que c'est 10 points Uplay, j'avais ça. Du coup j'ai fait oh vas-y, comme j'en ai 500, autant en profiter. C'est triste hein. Du coup bah j'ai pris ça, j'avais rien à prendre. Faudra que je retourne voir sur Uplay, voir ce que je peux avoir. Salut le sanglier, comment tu vas? J'ai dit non, connard, il a voulu me charger. Il a voulu me charger. Du coup, je lui ai dit va te gratter. Franchement, ce sniper, one shot. One shot à courte distance. Regardez. Regardez. Bon, attends, je les ai tous les deux loupés comme une grosse merde, c'est pas grave. Bon, d'accord. Allez, salut, on se casse. Plus de merde, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors, d'accord, on passe au-dessus du mur pour repasser par la porte qui était juste à côté. La mission de Sentier d'Or, elle est là. Alors, attendez, est-ce qu'on peut éventuellement accéder à l'intérieur? Hop là. Oh, GG, Tino. Tino, c'est pas un beau gosse, franchement. Franchement. Non, mais franchement, de chez franchement, de chez franchement. Bah écoutez, je sais pas comment on doit passer. Y'a pas. Oh, excuse. Y'a pas une échelle? Non, mais par contre, y'a ça. Hop là. Et une affiche en moins cramée. Mais. Il doit y avoir une porte où on peut rentrer ou un truc dans le jeu. Ouais, là, regardez. La porte, elle était même pas en violence. Donc forcément, on pouvait pas savoir que c'était là qu'il fallait rentrer. Mais bon, à part ça, ce n'est pas grave. Je vous rappelle que vous pouvez mettre la vidéo en 1080p. Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles? Oh oui, Pagan. Oh, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture, nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça, ton projet pour Badra? Oh,
Non, mais vas-y. Vas-y, montre à AJ ce que c'est, un vrai mâle. Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de Noor. Là, au moins, on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça. Il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tuées pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer. Comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Et j'espère qu'ils vont pas nous recasser les couilles à choisir entre l'un et l'autre, parce que ça j'aime pas. À chaque fois on se fait niquer par l'un ou par l'autre. Ouais, je vous joue. Salut le loup. Je crois que... Ah, il croit prêt. Baba. Oh putain, le bâtard, il croit prêt. Je t'ai déjà parlé de... Non. C'est une de mes préférées. Elle était médecin avant, une âme bienveillante à souhait. Et c'est pas Gamine là qu'on entend. Elle est pirate sur une mission humanitaire durant les premiers jours de mon règne. Elle a eu l'audace d'écrire un rapport sur les violations des droits de l'homme perpétrées par mon régime. Alors je l'ai contactée, invitée à revenir, à voir les progrès, comment nous avions agi selon ses recommandations. Ouais, parce que moi je pose des véhicules comme ça, je suis ouf. Allez, c'est parti. Elle est donc venue avec... Ta gueule, Payan, est-ce qu'on t'a parlé? Non, on t'a pas parlé, donc qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Remets la radio, wesh. Ouais. Il y a des éléphants. Il y a des éléphants. Alors, on doit aller exactement là. Bon, en fait, c'est pas si loin que ça, finalement. Sauf que chaque page décrivait la façon dont j'allais ruiner la vie de Noor. Et voilà, Paul de Pleur a pris sa famille en otage. Et j'ai forcé le docteur Noor Najjar, la grande humanitaire, à diriger les régions les plus difficiles de mon empire Kirati. Ah, de toi à moi, je crois qu'elle adore ça, maintenant. Après, je vous ai laissé Pagan en train de parler, parce que voilà, ça fait quand même partie de la cinématique et de l'histoire du jeu. Donc, vous avez compris? Voilà, bref. On s'en bat les couilles de ce qu'il disait, bon, c'est pas grave. Après avoir fait cette mission, les gens, on va faire une mission... Attendez, que je regarde, que je ne me trompe pas. Là, comme ça. Pourquoi? Non, pas comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Libération d'otages. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'en manque un, j'ai plus qu'à faire une libération d'otage pour ensuite récupérer une arme qui m'a l'air... Elle me fait saliver tellement qu'elle est belle. Donc j'ai envie de la tester. Donc on va faire une mission comme ça juste après pour pouvoir l'avoir. Comme ça, ben, je pourrais l'essayer dans le prochain épisode éventuellement pour ceux qui souhaiteraient voir comment elle se déroule. Mais franchement, c'est à peu près la même que celle-là. C'est une arme de pointe. Hein. Donc c'est à peu près la même que... Voilà, que celle-là, mais bon, attendez. Est-ce qu'il veut pas la montrer, hein? Bah, c'est une arme de poing, en fait, comme vous avez vu, un Colt. Attendez, est-ce qu'on peut la montrer? Voilà, c'est le Colt qui est là. Sauf que, bien sûr, il est un petit peu plus gros, et à mon avis, one-shot. Donc, je veux voir ça, voir ce qu'elle donne. Et je pense même... trouver le moyen d'entrer dans les coulisses. Et je pense même qu'on peut avoir comment dire, un silencieux avec. Enfin, qu'il y a un silencieux directement intégré dessus vu que c'est une arme spéciale. Donc c'est beau les tigres. Ouais, je vais pas pouvoir entrer par là. Bon, ça va rien. Passe au plan B. D'accord. Bonjour. Ok, on va aller voir la vieille. On a besoin d'aide. Les sangliers. Bienvenue dans ma boutique. Donc regardez, alors je vais vous montrer en même temps c'est quelle arme, c'est celle-là. Et vous voyez, c'est marqué en bas, libération d'otage, encore une. Donc, franchement, elle donne pas envie comme ça. En sachant que moi, personnellement, j'ai celle-là. Regardez la différence, franchement. Eh, on dirait Python, ton truc. Non, ta gueule. Là-haut. Là-haut, il y a un grappin. Ah, si on a le temps, on va faire une mission en libération, sinon on le fera la prochaine fois. Ah putain! Ah c'est bon. J'allais dire, ils font galère là, mais non, c'est bon. Il y a un grappin là.
Donc éventuellement on va monter par là. Franchement. Et moi je joue en 1080p mais le jeu est trop beau. Un peu comme Assassin en fait. Assassin aussi il est beau. Et ouais. Franchement c'est magnifique. C'est deux beaux jeux. Bah en même temps ils sont faits sur Next Gen, donc c'est un peu normal. Mais bon. J'ai hâte de voir ce que donne Dead Island 2. Oh. Pour ceux qui le savent pas, je vais vous le faire en let's play bah, dès qu'il sortira quoi. Comme la plupart des youtubeurs. Je sais pas ce que je vais faire après le let's play Far Cry. Et après le let's play d'Assassin's Creed. Parce qu'on est arrivé à plus de la moitié. Hey, c'est l'arène ça. On avait déjà vu l'arène. D'ailleurs j'ai été faire un petit tour dans l'arène si jamais vous voulez une vidéo sur l'arène. Donc une vidéo de présentation de l'arène et comment ça se passe. N'hésitez pas à me le dire, je vous en fais une sans problème. Si vous voulez pendant un épisode, si vous voulez pas, bah, en dehors d'un épisode, donc voilà, dans tous les cas, vous aurez ça. D'accord. C'est les coulisses de l'arène, ça ? Ouais, c'est les coulisses de l'arène. Regardez, la salle de combat. Dormir là plutôt. La salle des commandes. C'est bon ça. Ah moi je lâche tous les animaux, ils me font enculer, crever tous. Les loups, les ours, les chats, les chiens, les canards, les. Bref, alors. Ah la salle de contrôle. Et toi? Est-ce qu'on le regarde exploser ou pas? Ça doit faire mal. MDR. Bande de salopes! Moi je vous attends, allez venir! Alors les filles, faites quoi là? Oh bah les autres ils sont pas ici donc c'est pas toi le PD là, qui est caché derrière le mur là qui va le faire. Brolos. Ils passent pour des crétins, sérieux. Bande d'abrutis. Alors. Vite. C'est pas tard. Sans pas. Je te tiens maintenant. Je vais te massacrer. Oh mon gars. J'ai entendu un animal. Oh, il y a un lion là. Salut le lion. Je peux pas le libérer là. Il y a encore un lion là. Salut le lion. Dommage. Moi je l'aurais bien libéré, le pauvre bête. Alors je vais actuellement éternuer. Ouais, c'est officiel. Excusez-moi. Ah, comme ça vous vivez avec moi. Alors attendez. Ah putain. On y est, on y est. Et GG, quand même, franchement. Franchement.
Ah, on a, j'ai géré. On a géré même, je dirais même plus. Cette salope. Hello, comment tu vas, ma belle? Is dead. Non, excusez-moi. Nour is dead. Malheureusement, on devait la tuer. Hein? Nour est mort. C'est moi qui l'ai tué. Ah, morte. Vous avez bien compris. Elle est dead. Elle est couchée. Elle est ratatinée. Elle est morte, quoi. Et de 2. Ouais, j'ai mis un trophée. Et de 2. Donc, comme je vous avais dit, il est 15. Non, il reste 15 minutes. Actuellement, je vais prendre ça. Alors, rouler à la hauteur d'un véhicule ennemi, puis appuyer sur R3 pour tuer le passager. Oh, cool. C'est bon, ça. Bon, je prends. Je prends ça aussi. Je sais pas c'est quoi, attendez. Parce que j'ai 33 points de compétence en fait à force de jouer à tuer des animaux et autres. Enchaîner plusieurs éliminations et lancer une première avec R3 et ensuite là, d'accord. Alors ça par contre c'est la vitesse de rechargement de toutes les armes est grandement améliorée. Cela m'intéresse. Ici. Continuer, on a 5% de karma en plus, c'est bon. Hop. Ah d'accord. C'est à utiliser à l'infini, ça. C'est ça. Bref. Bon, ça aussi, c'est cause de... Continuez d'apprendre cette compétence pour prolonger l'effet de la seringue de 5 secondes. Durée actuelle. Ah d'accord. D'accord, il y a plusieurs trucs qui sont... Oh, c'est bon ça. La durée de la seringue sera de 80 secondes. Ça pour deux, on va le faire. Allez hop. Voilà. Je pense qu'on a tout fait. Ouais, je regarde tout fait, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller faire vite fait une petite mission. Bah, on va faire celle-là en fait. Ça, au moins, on sait où on va. 17. Généralement, c'est entre 20 et 30. C'est nickel, les gens vont être dans le timing. C'est vrai qu'on a une série en moins, donc on va peut-être que j'essaie de trouver. Ah ouais, pour vous c'est pas actuel, pour vous elle est sûrement déjà remplacée. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Amida, c'est fait. Nour est morte. Bravo, Edge. Nour is dead. Il tient complètement le sud maintenant. T'as montré au peuple qu'il doit suivre la voie de la liberté. Il est hors de question qu'on recule. Quoi que puisse en dire Sabal. Par pitié, vous. Voilà. L'ami de Sabal, ouais. Vous pouvez m'aider. Doucement. Ouais, qu'est-ce qui se passe? L'armée royale retient mes cousins et ma tante. Ok. On les accuse d'aider le Sentier d'Or. D'accord. De les soutenir. Ouais. C'est le cas? Moi, ça me dérange pas du tout qu'ils aident le Sentier d'Or. Mais ce que je veux savoir, c'est dans quoi je m'embarque, ok? Oui, c'est vrai. Ils soutiennent les rebelles. Ouais. Ma tante connaît des contacts, des planques, vas-y. De ravitaillement. Développe. Mais mes cousins sont innocents. D'accord. Pitié, je vous en supplie. Ok, ok, c'est bon. Vous en faites pas, je m'en occupe. Allez, c'est parti les gens. On va aller aider ce pauvre vieillard, parce que apparemment sa famille a été prise en otage par des bâtards. Là. Et ensuite on va aller tester notre arme, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement. Non mais allô quoi. Ça devient n'importe quoi. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on se les fait au snipe. Voilà. Attendez, justement. Dans une prise d'otage, ce qu'il faut, c'est que, en fait, si jamais ils voient qu'ils sont en danger, ils vont buter les otages. Donc ce qu'il faudrait... Ça serait de sauver, parce qu'en fait il y aura 4 otages. Ce qu'il faudrait c'est sauver les 4 otages, ça serait quand même cool. D'accord. Donc généralement ils sont déjà, ils sont plus nombreux que les, pas les otages, mais les preneurs d'otages sont plus nombreux que les otages. Logique. Mais bon, d'accord, je voulais me rattraper à l'alien mais ça a pas marché. Donc logique. Mais on sait jamais, des fois ça se peut qu'ils sont moins nombreux, je ne pense pas, bah, je l'espère pas en tout cas. Alors, parce que ça pourrait toujours marrant de tuer des ennemis. Voilà pourquoi moins nombreux. Alors attendez, c'est là j'essaie de trouver un moyen de monter là-haut. Parce que j'ai pas d'hélicoptère, moi. Et y a pas de liane.
Donc je dois remonter comment? Bah regardez là. Il y a un grappin. Génial. Il y a un grappin aussi un peu plus haut. Oh c'est magnifique ce grappin. Je suis bien dans ma tête. Sieg game. Sieg game. Toujours un gros coup. Je sais plus comment il s'appelle. Bah c'est pas grave. Salut à toi. Je vais te rejoindre après. Regardez-moi ce bâtard, regardez, c'est une femme. Ah non, c'est un homme. Bah oui, bah, tu peux le frapper autant que tu veux, on s'en bat les couilles. Alors attendez, ce que je vous propose moi. Déjà on n'a pas tous les étages, on en a que deux. La prochaine fois, faudra enlever quelqu'un qui a un minimum de thunes. Pourquoi tu changes toujours de sujet? Voilà, déjà ils ont rien entendu pour lui. Là, faudra qu'on vienne ici, regardez, on peut casser les planches. Donc je le ferai après qu'on aura fait ça, parce que sinon, mais. On perd notre temps là. S'ils ont vraiment ce pognon. Aussi bien de leur voler. Calmez, j'ai dit que j'étais désolé. J'étais bourré. Ah bah en fait, je peux tuer avec le snipe. Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Je peux le faire. J'ai connu ça. Non. Y'a un problème là! Qu'est-ce qu'il y a un problème? Toi! Pitié, je vous en supplie! T'as un problème? Non! Non, t'as pas de problème. Attends, j'ai oublié de te marquer. Non, mais c'est bon, ça va les couilles en fait. Alors! Magnifique! On vient de libérer notre dernière prise d'otage, les gens. Justement, je vous avais parlé de ça. Voilà. C'est ça en fait, je pouvais pas le faire quand on était en mission. Donc, je le fais maintenant. C'est truc à faire. Parce que c'est sûrement. Voilà, c'est sûrement un endroit comme ça caché. Oh. C'est le même fusil que j'ai actuellement. Sauf que. Ouais. Tu commences à ralentir sérieusement leurs opérations, AJ. Oui. C'est exactement le même fusil. Ah, c'est exactement le même. Moins Pagan aura des à peu près, hein. Format amélioré. Sauf que là, il est très intéressant ce fusil. Regardez comment il est mal fait le jeu. Là, on voit les défauts du jeu. Triste. Allez, moi, je voudrais bien passer là. Voilà. Alors. Ici, il y a une caisse, déjà. Allez, il y a encore des caisses un peu partout. Là, il y a une caisse. Allez, j'ai pratiquement 2 millions d'euros, les gens. Je sais même pas quoi faire avec tout cet argent, tellement que j'en ai. On va aller... on va aller à pied. Parce que c'est pas loin. Et si on pourrait avoir un... Oh, on va pas aller à pied, en fait, c'est loin. Voilà, on va aller là. Comme ça, bah, je pourrais lancer la prochaine... Je pourrais lancer la prochaine mission, éventuellement. Mais pas dans cet épisode, je vais tourner l'épisode 16. Dans la filée, vu que c'est dimanche à mercredi, je fais tout le temps comme ça en fait, je tourne deux épisodes d'un coup, je suis tranquille. On va récupérer ça. Et non. Mais de toute façon, il n'y a pas de. J'ai oublié, il n'y a pas de truc ici. Donc c'est pas grave. On va aller là. Bon. On va aller acheter notre arme, on va voir ce qu'elle donne les gens. Et après, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là, tout simplement. Donc. Tout simplement pour cette arme, il nous fallait libérer les prises d'otages. Ce qu'on a fait, donc actuellement, vous pouvez voir qu'on l'a débloqué, le canon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le... Ça, je vais le laisser là, c'est bien là, tranquille. Hop, arme spéciale, débloquée, et elle vaut... Très cher. Ouh. Oh, la peinture, elle me plaît. Ouais, franchement, la peinture, elle me plaît. Par contre, l'accessoire de la lunette, là, pff, c'est moisi. C'est très très moisi. Moi, j'aime pas du tout. Bah, la lunette, à voir ce que ça donne, mais personnellement,
ça te donne pas du tout envie. Oh ouf. Vous allez me dire c'est le one shot, bon ça me dérange pas. On va tester ça tout de suite. Voyons s'il n'y a pas un animal ou un être humain même. Oh bah génial. Il y a un truc de karma. Ok. Ils ont eu peur donc ils se battent. Et un truc de karma donc on va le faire. Ah ouais, elle est puissante quand même. Eh, one shot, hein. One shot. Eh, elle one shot. Franchement, elle one shot. Ah, oh, génial. Ah, c'est bon, on a trouvé notre arme secondaire, les gens. Oh, j'ai tiré dans la carcasse. Oh, trop bien. Vas-y, moi, je vais garder cette arme, les gens, elle est kiffante. Génial. Bah ouais, c'est bien. Eh bien, les gens, j'espère que cet épisode numéro 15 de notre Let's Play sur Far Cry 4 PS4 vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, n'hésitez pas à l'avoir dans les commentaires. Si jamais vous pensez que cette vidéo peut intéresser à notre personne, allez-y partager. Et puis sur ce, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye, tout le monde.